N'a pas salué tout le monde qui toujours été connecté sous cité qui va Haïti aujourd'hui. Nous c'est agronome Viviane Célestin. Nous portons pour quelques causes qui contribuent à la dégradation de l'environnement haïtien. Nous avons une pression démographique là, qui contribue à la dégradation de l'environnement haïtien. Et les causes nous connaissons nous-mêmes, parfois nous réagissons mal sur l'environnement. Ça lui-même, c'est une cause qui contribue à la dégradation de l'environnement. Nous avons tant plus de monde à fait. Et plus et action qu'a causé sur l'environnement. Et plus on a respiré et plus et impact négatif qui a causé sur l'environnement. Tout ça lui contribue à la dégradation de l'environnement haïtien. Nous avons une mauvaise pratique culturelle. Mais nous parlons de mauvaise pratique culturelle. Nous avons une série de pentes et nous n'avons pas droit à faire agriculture sous pente ça. Quand ça est supposé reboiser pour qu'il couverture forestière, pour qu'il sol là et pour alimenter bassin versant pour sous-sur rivière capable toujours et gagner quantité de l'eau suffisante. Ensuite, nous gagnons utilisation charbon de bois. Utilisation charbon de bois, moun yo coupe bois pour faire un pile charbon pour porter dans la ville surtout. Ça lui-même, li contribue en pile dans la dégradation de l'environnement. Il y a une série de pieds bois qui n'est pas supposé détruire dans le côté oppositionné. Il y a une série de pieds bois qui n'est pas supposé couper. Et il coupe en pile pour faire charbon pour porter. Dans la ville surtout, ça lui-même contribue à la dégradation. En plus, nous avons une destruction de mangrove. Nous avons une mangrove qui a une pile importance. Nous protégeons la mer, nous servons d'habitat pour les poissons. Nous avons une pile de poissons, c'est là où nous pondons, tout c'est là où nous vivons. Mangrove a une pile importance dans l'environnement. Nous avons une pile. Ils détruisent en pile pour faire l'autre activité. Nous avons pour question industrie, nous pas vraiment gagné en pile industrie et dans l'environnement haïtien qui a dégagé et gaz qui a dégagé bagay qui a pollué l'air là. Mais quelque ça nous jeunes souvent fois yo mal positionné même dans cœur ville parfois nous joindre et quelque ça nous jeune yo n'a conclu avec catastrophe naturelle yo même yo contribuer dans dégradation environnement haïtien et mais pour question catastrophe naturelle yo l'homme pas responsable et c'est seulement mon Dieu lui-même qui est capable épargner environnement de catastrophe naturelle yo. Merci. C'était agronome Viviane Célestin sur Cité qui va Haïti aujourd'hui.